Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie. Pardon. La Grande Éthiopie, qui était plutôt dans le bien. Hein. Tiens, j'avais pas vu si on a une armée ottomane un peu toute seule. La France qui est un peu partout. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Je pense que je surveillais pas la France. Je venais de faire blober Yao. Et j'avais dans l'idée éventuellement de l'intégrer. 1054 points, et ben c'est parti. On va lancer l'intégration. Est-ce qu'à tout hasard on n'aurait pas quelqu'un? On va virer, voilà, une personne. Voir si on n'arrive pas à choper quelqu'un qui aurait des petits bonus en réputation diplomatique. Donc c'est ici, on vient de terminer la légitimation de ceci, c'est parfait. On a notre colon qui est arrivé, on est un peu dans le mal. Ah, faillite entre familles de la noblesse. Alors, on a des gens qui se soulèvent à Constantinople, on gagne l'autonomie locale à Constantinople, on perd des points diplo. On perd des points diplo, franchement 33 points diplo, j'en ai rien à carrer. Alors, oh, ils se sont soulevés, vous êtes sérieux? Oh, les relous quoi. Bon les gars, allez-y. Hop, c'est parti, on s'entraînera plus tard. On va pas laisser le machin partir en sucette. Alors, Constantinople, c'est pas fini. Ici, Edirne, c'est terminé. D'ailleurs, la culture grecque, on peut pas la... Non, c'est que 1%, on s'en fout. Par contre, ici, la Turquie, à moins que ça soit rentable. Faut qu'on bouffe tout ça, faut qu'on bouffe par ici pour aller chercher Erevan. Il y a moyen que ce soit rentable. Donc ici la vassalisation, toujours pas moyen, hein. Il a un niveau de développement trop important. Au pire on ira le vassaliser par la force s'il faut. Alors on a beaucoup de trucs à convertir. Possession légitime, Tunis a jugé bon de nous rappeler les tensions suscitées. Benghazi. Benghazi c'est juste ça, hein. On n'a pas d'état ici, on s'en fout. Non. Bon allez, on va lui lâcher Benghazi, on s'en fout un peu. Très honnêtement, c'est du sable. Donc ici, ce serait bien qu'on puisse se faire quelques bateaux supplémentaires. On est encore très très loin, là si on pouvait faire une grosse grosse flotte en Méditerranée, ce serait cool. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Au niveau des techs, on n'est pas encore trop trop dans le mal. Eux, ils font... Ah oui, eux, ils gèrent les... Oui, bon, pas de soucis. Ça y est, on a l'innovation qui se casse la gueule. On va donc prendre les techs. Hop, hop, et hop, c'est parti. On a des nouvelles infanteries. Alors, irréguliers, nord-africains, centre-africains... Feu offensif, choc offensif, moral offensif. Ouais, c'est pas mal ça. Donc oui, la combativité apparaît ici, hein, comme vous me l'avez également fait signaler. Encore qu'ils ont plus de des bonus de choc, ces mecs. Bon, en même temps, il n'y a aucun qui a 3 en choc. Là, on sacrifie un point de feu défensif pour un point de moral. Ouais, non, je préfère avoir du moral offensif. Hein. Très clairement. Bon, c'est pareil, hein, niveau nombre de troupes, on pourrait faire beaucoup mieux, mais c'est pas non plus ouf. Il faudrait au moins 20 manufactures. Ok, pourquoi pas. Ça nous donnerait 3000 ducats. Il nous faudrait une flotte. Au moins 30 galères, au moins 10 vaisseaux lourds. Unifier la région. Toutes les provinces de la région de la Corne de l'Afrique appartiennent à l'Éthiopie. Ah, c'est ces deux trucs-là qu'il faudrait qu'on convertisse, ça nous donnerait quoi? 50 points en tout, et évolution mondiale autonomie pendant 25 ans. Ouais! Ouais, 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 hein. M'excuserai de pas me précipiter dessus avec mon seul colon. Donc oui, les conversions. Ah, on a d'autres unités, pardon. Les dragons. Excusez-moi. Progrès de la noblesse, oula, qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Grande-Bretagne n'est plus un rival valable. Ah, ok. On a obtenu KSB nationalisme. D'accord, donc en un seul coup on a tout un tas de casus belli nationalistes, ça y est, enfin impérialisme,
qui sont apparus d'un coup parce que les clercs ont perdu en puissance. Non, c'est probablement pas le... la cause à effet, on est bien d'accord. Ici, faut qu'on fasse revenir un mec, toi reviens. Par contre, il nous faut un nouveau rival, non? Non, on a plus que deux rivaux, d'accord. On est devenu d'un coup suffisamment gros pour avoir ce petit casus belli. Donc ça va nous faciliter les guerres, hein, très clairement, pour écraser un peu tout ce qu'on veut. Ouh la vache, la France est dans le mal. Ouais, la Grande-Bretagne est quand même plutôt puissante, hein. Comme elle se fait défoncer, la vache. En guerre contre la Grande-Bretagne, la Colombie, les états pontificaux, Liège, la Suède. Ouh, c'est quoi cette guerre? Alors, défenseur face à Grande-Bretagne dans la conquête britannique du Cotentin. Ah oui, il y a une petite... percée anglaise ici, il en profite. Et en plus, il est défenseur face à Ming dans la guerre coloniale contre la France. Ah ouais, c'est la violence, hein. Après 32 combats, moins 4. Il s'est fait défoncer. Il voudrait bien qu'on s'allie avec lui. Par contre, la vassalisation, c'est pas tout de suite. Alors ici, on enlève l'embargo. C'est où déjà ? Lever l'embargo, voilà. Est-ce qu'on peut imposer la paix, tiens, pour le fun ? On va regarder, ça pourrait être marrant de le forcer à faire la paix. Alors, quoi d'autre ? Oui, donc du coup, je me suis toujours pas occupé de ces foutues religions. Massapa. Massapa. Non, absolument pas ça. Voilà, c'est ici, c'est mieux. Donc l'état c'est ce truc là, j'imagine que c'est absolument pas rentable, on est d'accord. On va le faire du coup, mais comme d'hab ne pas le payer. Et on va envoyer du coup quelqu'un ici et quelqu'un ici. C'est parti. Hop là. La prochaine, je pense, la prochaine objectif ce sera de convertir cette zone là. Sûrement plus compliqué, mais bien plus rentable. Alors, notre diplomate est arrivé. Ah. L'Orléanais est tombé aux mains des rebelles. Alors, imposer la paix à la France, je pense pas que... De toute façon, c'est pas comme si elle pouvait faire grand chose. Et ici, imposer la paix, non. Pourquoi confirmer? Pourquoi je peux pas confirmer? Je sais qu'il va dire non, mais je veux entrer en guerre aux côtés de la France, non? Cible non valide, ah merde. J'ai pas le droit de le faire en fait. Bon, bah c'est pas grave. J'ai pas un truc d'influence là? Oui, je peux intervenir dans un conflit. Mais je peux pas... intervenir... Ouais, je peux intervenir que si les grandes puissances sont déséquilibrées, mais il y en a une de chaque côté, donc ça ne marche pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, de toute façon, ça aurait été vraiment pour le fun, ça n'avait aucun intérêt stratégique. Alors ici, on continue de draguer des gens, lui nous déteste toujours, c'est bien dommage. Lui, ah lui il a blobé donc c'est mort. Enfin blobé, toute proportion gardée mais... Il veut bien s'allier, par contre la vassalisation, ça va être compliqué. Et Constantinople est converti à la seule vraie foi. Bienvenue dans la famille Constantinople. On va virer ça du coup. Hop là. C'est donc une province copte officiellement. On va donc s'attaquer doucement à cette zone. Ici c'est du 10, ici c'est du 13, ici c'est du 11, on va commencer par lui. Hop. Hop là, c'est parti. On convertit, on convertit. Tiens, petit débarquement ici, bon, il a que des bateaux en même temps pour se déplacer. Il est allié toujours à de la merde, hein. Il garantit l'indépendance de Raguse et il transfère de la puissance à Venise, d'accord. Lui, il est en guerre contre l'Espagne, on va le laisser passer. Parce que l'Espagne, on l'aime pas. Ah, ici on a quand même des choses assez intéressantes à faire. On a quand même fait le tour au niveau des universités, donc on va se lâcher un peu sur les manufactures, je pense. Dans le point qu'on a, quoi. Succession contestée, rien d'intéressant. Au niveau des mariages royaux, on est comment ? Tunis, la Perse, le Yao, la République des Deux Nations. On pourrait agrandir un peu Tunis d'ailleurs. Plutôt que glander là. Maroc. Oh putain, le Maroc est tout seul en plus. Pourquoi on attend?
Pourquoi on attend? Je pose la question. Prendre la province de Briska. Prendre la province de Gavazan, par exemple. Allez hop, c'est parti. On va y aller direct, on s'en fout. En avant les gars, c'est parti. Ici, ah oui, ici c'est vrai, j'avais envoyé une armée gérer les rebelles là. Allez, allons-y. Le Maroc, il a moins de 30 000 hommes, non? Le Maroc, il a 29 000 hommes. Parfait, on va donc aller s'en occuper avec une armée. On va la surveiller de près. Où sont les autres? C'est toujours la Bohème qui est empereur. Donc ici, vous continuez à vous entraîner. On n'a pas 30 000 péons qui traînent quelque part là pour aller en renfort. Genre vous là. On a encore un marchand qui fait rien. Pourquoi il fait rien? Pourquoi tu fais rien, marchand? T'étais pas ici? Pourquoi il est parti? Ouais, en plus, il est même toujours en train de transférer quoi. Ouais, c'est bizarre. Peut-être un bug ou j'ai peut-être misclic. J'ai peut-être double cliqué là au lieu de ramener un diplomate, j'ai ramené un marchand. Bon, c'est pas grave. Vous, pointez-vous histoire qu'on ait un petit peu de renfort en cas de besoin. Tunis de son côté va s'en occuper tranquille. Ici, on pourrait améliorer les bateaux. Ça pourrait être intéressant de le faire. Bon, ici on a le Maroc qui se fait plaisir. Nous, on n'a pas encore une marine suffisamment badass dans le coin. Et là, l'idée c'est de se rapprocher de l'Espagne, peut-être en longeant là, par le biais de notre vassal. Ici, ils s'enfuient les gens. Poursuivez-les. Donc, dans l'idée tout simplement de pouvoir taper sur l'Espagne sans avoir à traverser 20 continents, ce serait pas si mal. Ok, ça y est, ici c'est fait. On va se diviser un petit peu pour aller s'occuper des conversions. Donc les conversions en bas c'est fait, on va aller virer cet état. Donc ici tout le monde est copte, hop, on dégage l'état, c'est parti. Ici, non, si ça me regarde pas ça. Il y avait une autre province, voilà, dans l'état là. Karazi, ici ça se convertit. Ici, ça se... Ah, c'était déjà converti en fait. Ok, très bien. Là c'est converti. Ici c'est converti. Ça c'est pas un état ça. Ouais, ça pourrait être rentable, pourtant on va en faire un état. C'est rentable cette zone hein, de toute façon. Hop, c'est parti. On convertit les deux petites zones du coin. Hop là. Et. Ici c'est l'état aussi, oui. Hop là. La Perse qui est en masse là, je sais pas ce qu'elle fout ici, mais. Elle doit être coincée parce que l'Ottoman la laisse pas passer, j'imagine. La vache, il se fait presque battre par des rebelles, c'est la tristesse pour lui. Il est vraiment tombé bien bas quoi. Tiens, il y a des ennemis ici. Et en plus, il tape sur mon vassal. Que voilà une mauvaise idée. On va lui apprendre que c'est une idée de merde. Non, tu te tireras pas, t'en fais pas, on va te choper mec. Du coup il amène ses renforts en marche forcée mais ça suffira pas. Hein. Boum. Ouh la vache, comme ça pique. Donc là il nous envoie 1000 hommes, on va les choper. On va laisser les gens faire les sièges, on va voir si on peut pas essayer de le rattraper. Ah, on peut prendre une doctrine, parfait, non on la prend cette fois. Plus de longévité des navires, même si c'est pas très 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 intéressant dans le contexte. Ici on va essayer de poursuivre leurs armées, tant que c'est pas bloqué par un fort, on a toujours moyen de les choper. Même s'il faut qu'on aille jusqu'à Fès pour ça. Ah, ici on va choper des gens. La petite armée je pense, ouais, voilà. Boum, stack wipe, ça c'est fait. Ah oui, ça c'est la seule province sur laquelle il a rien. Alors, un message de France. Conflit entre la cour et le pays. Putain la vache, faut qu'en plus ça parte en sucette. Le mec il a vraiment pas de bol quoi. Alors, qui c'est qui a perdu de l'influence? Les bourgeois. Bah on pourrait... pour leur filer ça. Et après on leur pique un peu de thunes. Ça me paraît pas mal dans le contexte. Et du coup, on pourrait lancer la construction de quelques trucs. Hop, 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 voilà.
Et au niveau des autres d'ailleurs, il n'y a pas des choses rendables, ça c'est pas mal ça. Hop, c'est parti. Dépensons un peu nos sous bien mal acquis. Donc là on fait Blobé Tunis, on intègre Yao. Ici on cherchera un vassal quitte à le libérer un moment. Ok, donc là il se regroupe sur sa capitale, attention, ne faisons pas n'importe quoi, c'est de la montagne quand même. Ils sont 34 000, on va se détendre. On va se replier même, je pense, là-bas. Ici, on va envoyer des gens. Manque de pluie en Timor, ah bah c'est triste. Mais on s'en remettra. T'as du siège toi? T'as absolument pas de siège. Oh, fourniture navale dans notre nouvelle province, c'est un peu de la merde. On va peut-être envoyer un mec constituer un réseau là pour faciliter un peu le tatanage. J'ai pas regardé d'ailleurs si j'avais finalement eu quelqu'un... Non. Personne qui fait de réputation diplomatique malheureusement. Les troupes c'est pas trop un problème, par contre les forteresses, il y en a peut-être encore quelques-unes à améliorer, au moins celle de la capitale ce serait pas mal. 35 000 français qui se baladent là. Ah, le pauvre en fait hein, il est parti à l'autre bout du monde pour sa guerre contre le Ming j'ai l'impression. Et du coup bah la France est totalement totalement à poil quoi. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Hein. Ici on est peut-être pas obligé d'être aussi nombreux par contre. Ah, on a un général qui est mort. Bah, c'est pas grave. On s'en remettra. Oula, ici. Ici, il y a Baston. Il se casse, mais on va peut-être pas aller à 7000 quand même. Non, pardon. Hop, on va laisser ce qu'il faut pour le siège et on va se barrer parce qu'on prend un max d'attrition pour pas un rond là. Ça me fait un peu chier, bien honnêtement. Oula! D'accord, donc là le mec il y va un peu plus sérieux. Est-ce qu'on peut se tirer ici? Oui, on peut se tirer. Maintenant que c'est un groupe est là. Et lui sauter dessus, je pense. Surtout que il sait. Il a changé d'avis, il s'est séparé. Donc on devrait pouvoir le choper sans trop de problèmes. Toi tu vas là-bas. Voilà, là on se fait un gros pack et on y va. Il est bloqué hein, donc il pourra pas faire grand chose. Il envoie des renforts quand même, il a pas peur. Ça me va. Hop, premier stack wipe et on devient implacable. Il va où avec cette armée là? Titeri. D'accord, donc on va attendre qu'il soit loqué. Hop, et on y va. Donc là il a scindé son armée qu'il a dû lui coûter une blinde en plein de petits morceaux, donc il va se faire défoncer en plein de petits morceaux. Tout simplement dans les 60 000 quoi. Alors on va scinder, récupérer cette armée là, du coup cette fois on l'envoie à Fès, et vous, vous allez vous répondre un petit peu. Là où il y a des trucs à assiéger. Non, on peut pas passer ici. D'accord, il y a Fès qui nous coince. Pas grave, on va piller un peu. Alors, ici c'est tout converti, on vire l'édit, hop. Où est-ce qu'on a des édits? Ici. Oh bah ici il y en a encore plein là. Ça pose, hein. ça dégage. Ici, ça dégage. Et ici du coup, c'est pas fini encore. C'est pas fini, c'est pas fini. Ici c'est fait, ici c'est pas un état, ici ouais c'est pas ouf. Voyons voir, on a trois mecs qui glandent, on doit pouvoir convertir des choses. Mombasa, Mombasa c'est pas converti Mombasa, tiens donc. Ah mais oui complètement pas, on va s'en occuper tout de suite. Hop, et hop, c'est parti. Donc du coup ça va gueuler un peu mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'en tire. Ah merde, ici il se fait buter par ses rebelles ce con.
J'avais pas vu. Excuse-moi, Yao. On va s'occuper très vite de ça. Alors, revenons ici. C'est là qu'il y a de l'action quand même. On va pas se le cacher. Voilà, on va s'occuper tranquillement de terminer ça. Ici, on va tomber sur Fez en attendant. On pille un peu ce qu'il y a à piller. Bon, il n'y a plus grand chose à piller, hein, c'est du sable. Puis j'ai pas trop envie de foutre dans le mal non plus ces provinces. Je vais les filer à mon vassal après. Tunis prend donc tout ça. Tunis qui est déjà puissant, hein, parce que mine de rien, avec juste ça, il a déjà des armées beaucoup plus costaudes que mes deux autres vassaux avaient. Bon, je sais pas où il a envoyé ses troupes, peut-être qu'il tente de faire un contournement. Là. C'est pas trop un problème, honnêtement. Alors on a encore deux mecs qui foutent rien ici. Ah, on commence à plus trop pouvoir scroller. Occupons-nous de Makua, la zone de Makua là. C'est ici. J'ai oublié de prendre ce bout là, tiens, c'est une erreur. Bon, c'est pas très grave. Ah, on n'a qu'une seule province ici, ouais, ça fait un peu chier. Enfin, on va le faire en speed, ça nous... Dans 2-9, c'est bon. Quoi d'autre? Senna, c'est là. Ah, pareil, on n'a qu'une seule province sur les deux. Lolo, il y en a déjà une qui est convertie. Oh, ce sera pas si pourri en plus comme état, aussi étrange que ça puisse paraître. Allez, ici on va le faire. On a deux mecs qui foutent rien, ça sera l'occasion. Catholique, quoi. Ça c'est marrant, pourquoi c'est catholique ici? Pourquoi pas? Retournons taper sur le Maroc. Donc ici pareil, on prend de l'attrition, mais c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pas un problème. On gagne plus de troupes que ce qu'on perd, donc de toute façon on s'en fout. Alors, ici, pendant que vous vous faites rien, on va vous améliorer, voilà. Le siège de Fès est tombé, donc là, il va être en PLS. Hein. On n'a pas de diplomate, bon, on peut te faire revenir, toi, de toute façon, c'est plus comme si on avait beaucoup de forts. Ici, on va pouvoir y aller. Hop, hop. Donc là, je rush au fort, hein, je me fais pas chier. Sauf s'il y a une armée dessus importante. Ouais, non, c'est bon. Alors, il se barre? Non, il se barre pas. Les droits de colonisation du Nouveau Monde des bourgeois ont cessé de faire effet. Et ben on va les remettre. Hop, voilà. Ici on peut se découper. Tuck. Ndongo a rejeté l'accès militaire. Ah, ils ont essayé, ils ont terminé leur, leur guerre. Alors ça s'est fini comment? Maravis s'en tire bien et Cassandre s'est fait bouffer comme prévu. Ça c'est une guerre avec les Lundas. Et les Soyo, ok. Bon, ils continuent de se taper dessus dans le coin. Ça ne me dérange pas outre mesure. Soyons clairs. Alors ici c'est pris, ici c'est pris, on va aller prendre ces trucs là. Talent étranger. Ouf. 1600 ducats. Et mono... Non non, bah on va améliorer les relations avec Monotapamatopa, bien sûr. Bien sûr qu'on va améliorer les relations avec eux. Bon, ils sont toujours indignés. Mais il y a moyen que ça change du coup.
vous faites rien. Allez donc par là-bas. Ah, il y a 18 000 hommes ici, attention. Enfin, il fuit devant mes 7 000 hommes, mais bon. D'accord, tu... Ok, très très bien. Monsieur fait son relou. Paraissait étrange aussi qu'il fuit devant mes hommes. Hop. Aïe. J'aurais dû foutre un général. Ouais, défaite. Et du coup, une deuxième défaite dans la foulée. On n'aurait pas eu le malus, ça aurait pu passer. Hein. Il n'y aurait pas eu les renforts, ni le malus, enfin j'aurais eu un général, je pense que ça passait en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre, hein, très clairement. Le Négusa est malade, merde. Les nobles gagnent en loyauté, ou les bourgeois gagnent en loyauté. Ah, jusqu'à sa mort, la vache quoi. Bon, il a 61 ans, ça va, on va déléguer aux provinces. Ça pourrait être pas mal si ça tombait ici, par contre. Alors, Nuremberg veut un accès militaire. Oui, vas-y, pourquoi pas. Le siège de Marrakech est tombé, c'est parti. On va leur tomber dessus bien comme il faut. Voilà, petit stack wipe, c'est propre. Donc là je pense qu'il va, il va lâcher l'affaire. Hein. Hop. Alors ça m'étonnerait qu'on puisse aller jusqu'à Gibraltar, mais voyons voir un peu qu'est-ce que ça donnerait. Déjà on prend tout ça pour se coller à l'Espagne. Oh, on pourrait aller jusqu'à Gibraltar. Hein. Complètement quoi. Est-ce qu'il y a du blé ce monsieur? Ah, il a quand même pas mal de sous. Hein. On prend 360, on file tout ça à Tunis, dans l'optique de lui donner le reste plus tard. Ouais, ça me paraît pas mal, allez, on fait ça. De toute façon, on est à 100, hein, ça sert à rien de guerroyer plus pour que dalle. Allez, tout le monde se retire là-bas, on va faire le tri. Oh merde, ils sont en train de se replier, je ne sais où. Mombasa est converti, parfait. Donc là, oui, hein, Tunis va gueuler, forcément, mais c'est pas très très grave. Donc lui il est déjà en train de protéger le commerce à Alep. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire quelques autres bateaux. Hop, hop, hop. Hop. 14, 15, 19. Et merde, il me manque de la thune pour le 20ème, mais c'est pas grave, ça va venir vite. Toi, au Caire. Et toi, ok, bordel, droit de douane sur le sel, oui, on taxe, pas de soucis. Accès militaire de la Russie, se plie en guerre contre les Ottomans, la République, what? Tu sais que cette guerre, période difficile, à qui on demande? L'un des généraux, ou du prestige, bon, on va demander un peu de sous. Par contre, c'est quoi cette guerre hein? Tu te fous de moi? T'es en guerre contre la Russie et toi t'es en guerre contre les Ottomans, d'accord, qui te sautent dessus dans le dos. Bon, pourquoi pas. Admettons. Ah oui, il faut que je rende ça à Tunis.
accorder une province, la Ciota. Hop. Et Tétouan. Et hop. Voilà. Et en plus comme ça, il redescend à 50%. C'est parfait. Bon, bah une petite guerre pour pouvoir commencer à faire un petit peu boujou à l'Espagne. Ah, et il nous envoie 250 ducats quand même, l'ami... comment il s'appelle? L'ami République des Donations. Ce que je voulais voir, c'était les revendications de lui. Donc lui n'a aucune revendication là, ok. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui dise que tout ça... on le verrait bien chez nous. Fait des revendications. On va former l'Andalousie avec Tunis et après on l'intégrera à ce rythme. Merde, on a encore perdu un général. Ça par contre, ça devient un peu le drame. Ah, on a plein de points ici. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces points? La stab est déjà au max. On n'a pas d'inflation, non, on peut rien faire de ce côté-là. Ici non plus. Bon, on va développer un peu. C'est pas ça, niveau de développement. Tiens, Constantinople. Parfait ça. Hop, voilà, t'as 40 Constantinople. Chiwas, notre capitale. Hop, t'as 40 aussi. Pas de... c'est du céréal pourri, mais comme ça, pas de jaloux. Et au niveau des... prêtre, c'est un peu la loose. Donc ici c'est fait. Voilà, c'est fait. Aucun édit. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on peut envoyer des gens? Un vin à Kalunga. Pourquoi ça coûte aussi cher? C'est ce truc là. Ah bah c'est le truc qui était un état presque rentable. Bah voilà ce qu'on peut faire avec nos points. Hop là. Hop, et on convertit Kalunga, ça coûte 30 la vache. Ah les mecs ils déconnent pas. Ah bah on va se calmer du coup sur les autres. Et on va du coup arrêter l'épisode là pour cette fois. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que le prochain épisode on se refera peut-être une guerre contre les Ottomans. L'objectif d'aller se coller là et soit vassaliser, soit attaquer Arbril pour prendre Erewhon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.